Ok, bonjour tout le monde, c'est Nours, on se retrouve pour le deuxième épisode, la suite en direct avec après une petite pause AFK bio, etc. etc. Vous voyez sûrement, bah, il fait de plus en plus jour, c'est bien, on commence les streams la nuit. Donc let's go tout de suite pour Métro 2033, la suite. Non, que tu sois Ranger. Suis-moi et t'arrête-moi. Ah, ça va, me refaire chier comme dans le premier épisode. Alors, une nouvelle note. Le sombre était ici, au camp de concentration du Reich. Mais il n'y est plus, donc cela veut dire que je vais devoir le suivre. La mission que m'a confiée Nelly est toujours à la main. Je retrouverai le sombre. Ensuite, je déciderai de la prochaine étape. Cette fois-ci, je vais essayer de pas être con, peut-être le laisser en vie. Si ce facho n'a pas menti qu'il a vraiment vendu la créature à des marchands de Hansa, le sombre peut être n'importe où. Hansa occupe la ligne circulaire du métro de Moscou. C'est une union de stations de marchands. Ils ont encore un service de train régulier avec des caravanes de biens et de passagers. Le sombre pourrait ressurgir demain à l'autre bout du métro. Je l'ai peut-être déjà perdu. J'ignore comment le sombre a échappé à la torture et à l'exécution. Les fachos. Putain de réveil. Pardon. J'ignore comment le sombre a échappé à la torture et à l'exécution. Les fachos pendent régulièrement des gens pour un crâne mal formé, alors une créature comme le sombre devrait représenter pour eux l'incarnation du mal et de la corruption. Peut-être qu'ils sont moins cons qu'ils ont l'air, et ils ont peut-être compris qu'il y avait un intérêt à les garder en vie. Je vois la lumière au bout du tunnel. Sécurité, dégagez! La chance nous sourit. Bienvenue dans le club de scope. C'était noir, t'es mal barré. Le légendaire bunker D6. D'énormes bâtiments remplis de réserves. Il y a des médicaments et assez de boîtes de conserve pour faire vivre le Reich une centaine d'années. Il y a assez d'armes pour nous permettre d'éliminer les monstres et les mutants de la surface de la Terre. Parce qu'il n'y a plus de son. Mais D6, Herr Führer, qu'est-ce que tu veux? Putain, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que vous fichez là? Rattrapez-les! Par ici. Droite, gauche, gauche, droite. Saute! Max Pell. Pas touche, connard! On par ici! Allez! Vous êtes sur moi. Une arme? Putain, il y a une batte dessus. Merde! Est-ce que ça va? Non, je me suis. Tiens bon! Voilà pour toi, Arthur! À terre, salopard! Tirez pas! Tiens bon, Artyom, tiens bon! Encore l'effort! Attrapez-les, fouillez-vous! Attrapez-les! Les fumiers! Merde, ils ferment la porte! Tuez-les! Fuyez-moi! Et voilà! C'est déverrouillé. Évasion parfaite. On a réussi l'impossible. Maintenant, je dois informer l'ordre que le sombre a disparu. Ce qui signifie admettre que j'ai échoué dans ma mission. Maintenant qu'il est dans le métro, je ne pourrai pas le retrouver tout seul. Il faut que j'atteigne la station neutre la plus proche, et puis police, le QG de l'ordre. Pavel me montrera le chemin. Oh oui, Pavel. Wow! Bon, on dirait qu'on les a perdus. On ferait bien d'aller vite fait au théâtre. Y a pas d'autre endroit où aller, hein, mon vieux? Est-ce que ça va, mon vieux? Super. L'armure est d'enfer. Merde! Un cul-de-sac! Ah, c'est ballot, ça. Tiens bon! Ouais, t'es plus con, toi? Wouh! Terminus, hein? Putain. Y a pas d'autre solution. Oui.
petit, tu voulais pas descendre avant. On continue à pied. J'ai plus de balles. Faut que tu me suives. Non, je veux pas te suivre, je vais aller là. Je me souviens pas d'avoir vu ce tunnel sur une carte. Ouf. Il est encore sur le terrain du Reich. Faut faire gaffe. Je savais qu'il fallait pas te suivre. T'es ici, Artyom. Par ici, mon ami. Je peux pas ouvrir ça. J'arrive, Jean-Jacques, j'arrive. Je regarde quand même qu'il n'y a pas des trucs cachés, parce que je pense qu'il y a des trucs cachés. Ouh, ta gueule, je me casse la tête avec ta révolution. Je vais arrêter d'être vulgaire. Voilà. Ok, attends ici pendant que je regarde. Merde ! Hé ! Un espion ! Attrapez-le ! Bah super. C'est un putain de ninja. Emmenons-le au poste de garde. Et si ce fumier était pas tout seul? Attention, deuxième poste de garde. Vérifiez votre section du tunnel. On a chopé un rat dans les conduits. Ouvrez l'œil, il y en a peut-être d'autres. Bien reçu, on s'en occupe, terminé. Quel putain de bordel! Un rat communiste trouvé dans nos tunnels! C'est pas à son sujet que je m'inquiète. Ouais. Qui sait combien de ces fumiers se planquent encore dans l'ombre? Tout ce que je sais, c'est qu'on doit les trouver! Bah viens. Tu vois quelque chose? Allons vérifier le cul-de-sac pendant qu'on y est, histoire d'être certain. C'est là le cul-de-sac? J'ai pris toutes les balles et tout. Ah, il y a ça. Alors, on va pas prendre des balles militaires. On va garder le petit flingue comme ça pour l'instant. Nulle part. Je suis pas là. Oh, puis si je... Allez, ils sont là. Pourquoi il brûle? J'ai des balles incendiaires, j'ai quoi? Attention! On est de la compagnie! Je sais plus ce que c'est. Je pense que ça, c'est des balles normales. Lui, il avait un pompe aussi. Ouais. Oh, c'est quoi ce truc? C'est ce qu'il avait aussi.
ça a l'air pas mal ça. Ah, oh bah non. Ouais, je me dépêche. Oh, oh. Pour être sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut appuyer là ? Ah, y'a rien. Ah, ça c'est quoi ça ? Ok. Duel. C'est, j'ai des bombes. On va peut-être rester quand même en mode un peu silencieux pour l'instant. Comment j'ouvre la porte ? Ah, ça me dit pas comment j'ouvre la porte. Ta gueule ? Voilà le bouton pour ouvrir la porte. Il y avait une note. Non, je peux plus la lire, très bien. Ouais, c'est bon. Quoi ? Chut. Je me rends, c'est compris ? C'est plutôt réconfortant d'avoir un guide comme Pavel. On dirait qu'il connaît cet endroit. En plus, les bizarreries du Reich ne le surprennent pas. J'aimerais bien savoir quel genre de mission il travaille. Sur quel genre de mission il travaille. Je n'arrive pas à trouver le bon moment pour discuter. Pavel semblait savoir que le Reich se préparait à la guerre depuis longtemps, alors que pour moi, c'était une révélation. Les rumeurs de réserves trouvées à D6 circulent déjà dans le métro. L'ordre n'allait pas s'accaparer ce trésor, mais nous n'avons pas le temps de nous expliquer. Nous n'avons pas plus le temps de nous expliquer, pardon. Le Reich est déjà presque à la gorge de l'ordre pour récupérer la chambre. Alors, que va-t-il se passer lorsque la ligne rouge et Hansa sont au courant du bunker ? C'est donc ça, la guerre dont parlait Melnik. Et oui, c'est un petit peu la même merde. Ok. T'as pas éteint, ça ? Non, ok. Fait peur ce con. Putain, t'es vraiment une tente de ces morts quoi. Pavel va sûrement être pendu. Salut. Artyom ! Merde ! Je savais que tu m'abandonnerais pas. T'es un vrai camarade. Je te dois une fière chandelle. Allez, fais-moi sortir d'ici et je te ramènerai à la maison en un rien de temps. Dans un moche un peu. Merde ! Ils viennent s'occuper de moi ! Ils vont m'emmener et me pendre ! Bonne chance, mon ami. Tu es mon seul espoir. T'inquiète. En fait, allez, ramène ton cul ici, sale rat communiste ! T'es un monstre et ta mère a l'air normale. Tu sais ce que ça signifie ? Quoi ? Que soit t'es un monstre toi aussi, soit ta mère est une pute. Ta mère est une pute. Allez, dis-le ! Ma mère est une pute ! Dis-le pour con ! Ta mère la Templière. T'es un monstre ! Ta mère est un monstre !
charge la vie ou pas. On doit venger. D'accord, il fait tout noir. Les chiottes, non. Là, oui, il fait froid. Là, oui. Attention. Non. On doit venger notre... Allez, box, toujours pas ça. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est les balles militaires qui font que le mec brûle. Donc les balles militaires qui servent aussi d'argent et de monnaie. Donc, du coup, j'ai rechangé. Y'a rien d'autre à faire là ? Très bien. Ah, c'est de là que je viens. Hein. Ah. J'ai mal au dos. Thank you.
orbite, les balles. Ça y est, première mort, quoi. Putain. Mais chier, ouais. Je vais faire le mode bourrin direct. Oh putain. Je vais dire tout le bordel. Ils sont méchants. Hein. Les blessés sont à la tête. On enquête. Peu mieux quand même, ouais, effectivement. Tu m'étonnes qu'ils me pétaient la gueule, ils ont des visions nocturnes et des lasers. Pas toi. Allez, 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 hop. Ok. Tiens, peut-être un truc là-bas. La tube. En fait, ça c'est si on veut le faire en mode sneaky. Chose que je ferai peut-être, mais pas en vidéo, parce que je vais mourir 50 fois, puis je vais passer pour une merde. Et j'aime pas trop passer pour une merde. Allez, hop. Je me rends! Ouais, bah rends-toi.
Je vais poser mon arme et sortir maintenant. Tirez pas. Je suis gentil ou pas? Putain, ouais, j'ai vraiment envie d'être gentil, mais... Et là, y'a quoi? C'est quoi, je suis gentil? J'étais méchant dans le premier épisode. C'est du poisson pourri? Ça a l'air d'être vraiment dégueulasse. Debout les damnés de la terre. Je sais plus que j'aurais dû le buter. Debout le forçat de la fin. Là, il y a un piège. C'est la lumière, c'est mieux avec la lumière. Non, c'est pas bien avec la lumière. Ah putain, c'est trop bien, ça crée des tensions, tout ça. Installons-nous bien. Ayons une posture digne de ça. Va te faire, facho ! Merde ! Mort au facho ! Notre jour viendra ! Nous vive le Reich ! Oh merde! Oh merde! Putain! J'ai cru que j'avais des couteaux, moi. Ouais, je vais te... Tu vas te dépêcher? Allons-y! Ça va se transformer en stalactite. D'accord. J'ai sauvé Pavel de la pendaison. Il dit qu'il m'amènera aussi près de police que possible. Ensuite, je contacterai l'ordre pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. Je n'y ai jamais mis les pieds, et sans mon nouvel ami, je serais sûrement complètement perdu. J'espère qu'il connaît son chemin. C'est du beau travail, Arthur. Comme les trois mousquetaires, hein? Enfin, s'ils étaient deux. T'as déjà lu ce livre? Il est complexe, je l'ai adoré. J'ai toujours voulu être Athos. Toi, tu peux être Arthur, d'accord? Allez, on a pas le temps. Tire comme un mongol. Oh, je te parle. Pourquoi t'es con? Un effondrement? On dirait qu'ils ont fait sauter le tunnel. Il y a peut-être un truc de l'autre côté que les balles n'arrêtent pas. Non, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Un courant d'air! On doit pouvoir traverser! Je peux pas courir, c'est chiant.
au fait que ça allait tomber et tout. J'ai vraiment bien fait. Alors, petite parenthèse. La jouabilité est excellente comparée au premier. On se croirait sur un Call of, c'est ultra fluide. Artyom, attention. Les hitbox par contre, c'est toujours pas ça. Merde! Ils sont pas loin! Attends, Artyom, doucement! Sois prudent! C'est bien fait ça. Ça me paraît bon. Allons-y! Un puits! J'ai plus le... Ah bah non, je peux faire ça. Allez Artyom. Oui, t'as que... Bon, où on va? Pas bon cul. Mario. Ce que je comprends pas, c'est que. Disjoncteur est mort ou quoi? Ah, mais je suis con, j'aurais dû changer. Allez! Ah, j'ai. Faut changer d'arme avant de la prendre, c'est même pas automatiquement en fonction de catégorie comme dans le premier. Merde! Ils nous ont entendu! Bordel, on est en plein dans leur lit! Putain! Il y a quelques bestioles. Prends ça, fumier! Tu vois son ventre? C'est son seul point faible! L'armure supérieure est trop solide! Bon, Artyom, si on rencontre un de ces machins, allume ta lampe jusqu'à ce qu'il se mette sur le dos. Compris? Ces fumiers ont horreur de la lumière. C'est un arachnophile. Ah, pour tous, hein? Ah, arachnophobe, pardon, pas fil. C'est moche. On va cramer les araignées. Par ici! Le pont, comme on en a parlé. Blessure sur ma gueule, j'aime pas trop. Barrez-vous les mouches là. Je prends tout. Hop, barrez-vous. Ouh, c'est haut. Ah, d'être. Alors, du coup, si je fais ça. Allons-y! Normalement. Ah non, je peux pas changer. Super, ça devrait marcher. Oh. Artyom, Artyom, viens m'aider à tirer dessus. Bon, je vais garder le silencieux. Ça, je suis con. Ça. Appuyez sur E rapidement. Saut à la perche. T'es sérieux gros? Et allez. Tu
tu renvoies la... Vas-y, renvoie la perche. Dans la voiture. Hop là. Descends-le. C'est bon, il se casse. Ah non, mais je vois, je peux pas tirer. Allez, fais t'aider. C'est moi qui monte là ce coup-ci. Artyom, aide-moi. Allez, on y va. Ça, on va faire du croc, on va faire du croc. Allez, allons-y. C'est quoi ce fumier? Wow, c'est bon, on craint rien ici. On peut pas faire brûler ça. Attends un peu, Artyom. C'est dangereux sans lumière. Laisse-moi fabriquer une torche. Parfait. Lumière. C'est bon, on y va. Pas un passage là. Y'a pas un truc à aller voir derrière. Pas non plus. Ça te plaît, hein? Ça te plaît, saloperie? Ouais, on speed, on va finir ça. Allez, avance. Ça grouille de partout, putain. Les œufs, les trucs, c'est dégueulasse. Allez, fais-moi cramer le bordel là. Tout a commencé, j'ai toujours cassé le jour où nous sommes allés au jardin botanique. Nous, c'est-à-dire moi et deux de mes amis qui avaient l'idée de visiter la station abandonnée, qui a persuadé les autres à y aller. Je leur dis toujours que je ne m'en souviens pas, je mens toujours. C'est un pieux mensonge car difficile de savoir la vérité. Eugène et Vitaly étant morts maintenant, les portes de l'énorme salle sont tremblées et se sont ouvertes avec un grincement, dévoilant une voie infernale pour nous et une voie vers le métro pour les démons. En réalité, tout a commencé le jour où ma mère m'a dit qu'on allait se promener dans les jardins botaniques et qu'on prendrait le métro. Je me souviens que nous avons pris un court escalator jusqu'à la surface. Nous sommes sortis par un grand pavillon de verre et que nous avons vu une rue couverte de verdure. Je me souviens des petits nuages, de l'immensité du ciel et de la douceur du vent sur mon visage. Ma mère m'a acheté une glace, c'est cool. C'est la dernière fois que j'ai mangé. Ce jour-là, l'humanité est exterminée. Les justes et les mauvais endurants de leur action. Nous sommes cachés de l'œil de Dieu dans le métro. Nous avons échappé à sa colère. Il a apparemment décidé qu'il n'était pas nécessaire de nous achever. Puis il a repris ses activités ou peut-être ses morts. Quant à nous, nous sommes restés sur cette terre détruite et abandonnée. Et nous avons continué sans aucun but.
Je me souviens de tant de détails inutiles, et pourtant je n'ai pas souvenir de l'essentiel, le visage de ma mère. Elle est morte peu après le début de la guerre. Je voulais tellement rêver son visage et son regard sur moi. La façon dont elle parvenait à m'apaiser en un murmure. J'aurais vendu mon âme pour me souvenir de ça, je l'aurais fait comme ça, sans hésiter. Et je l'ai fait. Et oui, tu l'as fait, parce que t'as tout fait péter avec des putains de bombes nucléaires. Mec. Ah, ouais, y a un truc. C'est fini. C'est de là que je viens. Après, il faudra que j'aille là, je pense. Pour aider mon copain qui a foutu. Waouh, c'était super, Artyom. Bonne idée. Prêt? Bon. Et de une. Suis-moi. Ok. On est presque arrivé au théâtre. L'entrée du métro ne doit plus être loin. Mais peu importe la distance, il va falloir la parcourir à la surface. Et là-haut, chacun de nos pas peut être le dernier. On y est, mon ami. Allez, ressaisis-toi, on a très peu de temps avant la nuit, compris ? Je suis toujours saisi, hein, je pose un ressaisir. Bon, avec l'effondrement du tunnel, le seul moyen d'atteindre l'escalator pour aller au théâtre, c'est de passer par la surface. Et crois-moi, mieux vaut éviter d'être coincé ici dans le noir. Ah, comment on fait pour... Super, on a de la chance, mon ami. Cet endroit semble habité. Sûrement par des rangers, enfin je crois. Et quand il y a des rangers... Merde ! Je manque de vitres. Il va falloir faire avec. Bon, allez, prends ce qu'il te faut. On est tous frères dans le métro. Il est tout pété, quoi. Hé, hey, mon vieux, ta montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai? Tu sais, il paraît qu'il y a des trucs ici qui résistent même aux balles. T'as vécu de sales moments, je sais. Et attends-toi au pire. Artyom, n'oublie pas, si tu veux vivre, tu dois toujours rester sur tes gardes.
Pigé ? Oui, ta gueule, putain. Ah, pas beaucoup, hein. Impressionnant. On m'a parlé de cet endroit. Cet avion allait à Moscou quand toute la ville a pris feu. Ouais. Le bâtiment où il s'est écrasé, c'est l'entrée du théâtre. Très bien. La glace fond ici. C'est presque comme le printemps, hein, mon ami. On vivra peut-être jusqu'en été. Attends une petite minute. Il doit y avoir un passage souterrain par ici. Les rangers ne traverseraient pas la place à découvert. Ok. On pourrait marcher sur cette aile, là. Bon, dommage pour le soleil. Ces nuages sont arrivés vite. Ouais, moi j'ai l'impression que ça se pète la gueule quand même, ton histoire, mec. Putain! Son masque. Ah bah oui, il est mieux. Tu veux pas me cramer tout ça? Merci, merci. Merci. Allez, on nettoie. Allons vers la lumière. La lumière est à nous. Il est un quoi? Eh mec, c'est toi qui m'en vais voir. C'est pas chier. Tout ce qui peut être utile, je te couvre. Hé, hey, essaie de l'ouvrir, je vais te couvrir. D'ouvrir quoi? Putain, il est où, je le vois pas. Ouais, pas de l'actif ça. Je sais même pas où t'es, copain. Ah, t'es là. Merde, essayons ensemble. Allez. Hé hey Artyom, faites pas les plombs là-bas. C'est bien compris? Allez, on y va. Un ranger m'a dit que c'était un vol pour Majorque. Une famille de retour de vacances, tu vois. Tu sais, Artyom, j'ai jamais vu la mer. Ni même jamais vu l'avion. Ouais. Merde! On perd de la puissance, tour dans le moteur! Ici le vol 76-715! Mettez! C'était clair! Demande-leur! Merde! Plus de tour! Dans on va s'écraser! Les instruments marchent pas! On a aucun chiffre! Oh mon sang!
la liberté militaire. Quoi. La ligne rouge est l'un des états les plus grands et plus forts du métro. Il occupe presque toute une ligne, mais si mes souvenirs sont bons, les rouges ont toujours dit que leur objectif était d'établir le communisme à tout le métro pour restaurer un état déchu basé sur les idéaux et l'égalité de la justice. Super le communisme. Le problème, c'est que les stations indépendantes gardent leur distance vis-à-vis de la ligne rouge. Il est donc impossible de restaurer l'état rouge sans heurts. Non, les rouges ne sont pas des anges, mais ce que font les fachos est une bonne nation. Et je suis heureux d'avoir un allié comme Pavel là. Même si c'est un rouge. Artyom ! Oh merde ! Si tu m'avais pas réveillé, j'aurais sûrement été comme les autres. Comme celui-ci. Tirons-nous vite d'ici. Allez. Artyom, à droite ! Je crois que l'entrée est à l'arrière du bâtiment. Merde, un démon ! Vite, tue-le ! Bougis-le ! Choper du coup. De l'avion. On y était presque, hein? Prépare-toi! Ils arrivent de l'étage du tube! C'est ça que je veux là, ça c'est une auto-percheur.
balaye et hop là, je veux ça, en fait. Une vraie balade de santé, non? Notre brève visite dans une Moscou morte, un fantôme du passé, est terminée. Pavel et moi, nous sommes encore entraînés, et c'est en vrai partenaire que nous retournons dans le métro. Impossible, sinon, de survivre dans les terres désolées. Maintenant, devant nous se trouve une station peuplée, le théâtre. Elle est très proche de police. Si Pavel parvient à me faire passer les postes de garde de la ligne rouge, je serai chez moi dans moins d'une heure. Et ben voilà, nickel. Tac. Hop, l'écran va s'éteindre, tout va s'éteindre. Ça va bientôt faire une heure, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas dit sur les précédentes vidéos, hein, follow, etc., etc. Vous abonnez pour être au courant de quand je vais poster les autres. Donc là, je vais peut-être pas tout faire d'un trait. Je vais les poster au fur et à mesure que je les tourne. Donc, je pense que je vais peut-être en mettre deux par jour, à peu près. Voilà, histoire que ça fasse un truc à peu près logique. Et puis, bah, dites-moi ce que vous aimez dans les commentaires et tout. Voilà, bisous, à bientôt, ciao, c'était dans son micro.